Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais ce petit live vite fait les amis pour vous tenir au courant. Malheureusement, on a raté le rendez-vous du dentiste à cause d'une assistante sociale incompétente. Oui, j'assume mes propos, incompétente. Une incompétence totale, incroyable mais vrai. Encore une fois, la même destination, les 4 as, premier étage, assistante sociale. Donc on arrive, apparemment la dame est rancunière de la vidéo que j'ai fait la dernière fois par rapport à l'administration française. Mais désolé, j'ai dit la vérité, la preuve, vous récidivez. Bah, je ne comprends pas. Donc je vous explique les amis. Nous on fait un travail avec une personne qui s'appelle Alain. On essaie de le remotiver dans sa vie, on essaie de lui donner le goût à la vie, de lui donner espoir, de lui montrer que les gens autour de lui sont des bonnes personnes. Mais on se retrouve confronté, comme d'habitude, à une administration française qui est claquée au sol. Assistante sociale, ça porte bien son nom. Elle doit assister le social. Donc, en d'autres mots, en d'autres termes, elle doit être sympathique avec les personnes qu'elle reçoit. Assistante sociale. Exactement. Voilà ce qui s'est passé, les amis. On arrive au rendez-vous. Une heure en avance. On avait rendez-vous à 15h, on arrivait à 14h. Voilà. Ensuite, la dame, bien sûr, est au courant des faits, de alors tout. Elle nous avait bien donné rendez-vous à 14h. Oui, hein. on est bien d'accord. On est bien d'accord, frérot. Ensuite, les amis, la dame connaît l'histoire, connaît le parcours, connaît tout. Maintenant, elle dit quoi? Rancunière comme never. Tu ne rentres pas, toi. Je reçois que lui. Pas de problème, madame. On ne rentre pas, il n'y a pas de souci. Alain, il y a été. Maintenant, Alain va vous expliquer comment ça s'est passé avec la dame. Alain, s'il te plaît, frérot. La dame était très hautaine et tout. Et puis, ce qu'on a fait là-bas, ça a servi pratiquement à rien. Parce que, bon, c'était pour avoir un... Elle me propose un prêt pour... comment? La caution de l'appartement. Mais ça, on n'en a pas besoin, vu qu'on l'a. Donc, voilà. Et elle n'était pas sympa du tout. Je ne vais pas vous en dire plus. Parce que l'administration, vraiment, ça me fend le cœur. Les amis, les gens, ils sont là pour donner de l'espoir. Eux, ils cassent l'espoir. Alors qu'ils font partie de la société. Ils font partie. C'est une assistante sociale. Son travail, c'est d'assister les gens. Je comprends pas. Je comprends pas. La dame, elle lui parle d'une. On s'en fout d'un papier pour faire la caution. On l'a la caution. On a créé une cagnotte pour ça. On n'a pas besoin de vous. Donc, je comprends même pas pourquoi vous parlez de ça. On comprend pourquoi la dame n'a pas voulu que je rentre. Elle n'a pas voulu que je rentre parce qu'elle parle avec Alain. Elle parle avec Alain, elle lui dit des trucs à lui, genre des trucs qui te servent à rien, frérot. Tu lui as dit que ça te servait à rien? Elle t'a dit, écoutez, c'est comme s'il n'était pas venu, hein, ça va. Ils nous font perdre notre temps. Et à cause de ça, maintenant, j'ai pas pu ramener Alain au dentiste. Donc du coup, maintenant, on se retrouve à aller au dentiste, grâce au dentiste. Merci au dentiste qui nous a décalé le rendez-vous gentiment à demain 8h, c'est ça? Donc on se réveillera à 8h du matin à cause de l'incompétence totale d'une assistante sociale qui se trouve à Belfort, au 4 As, au premier étage. Je connais pas son prénom, sinon je l'aurais divulgué sans pitié. Mais je connais pas son prénom, et parce qu'elle m'apporte peu, cette dame. Déjà, juste au premier regard, j'ai vu quel genre de personne c'est. Tu sais, c'est une personne mauvaise et personne qui se donne des droits parce que dans leur tête, leur statut leur permet de se donner ses droits. Le Covid abondo dans le sens où les portes sont fermées à clé, donc tu dois sonner pour leur parler en attendant que eux jouent à Candy Crush. Tu vois, ils jouent à Candy Crush et ils perdent vos dossiers parce qu'ils sont H24 en train de nous dire mais on a plus de documents. Mais le document, on vous l'a donné il y a une semaine. Quand tu joues à Candy Crush et que tu as perdu le document, arrête de jouer à Candy Crush et vas-y, récupère le document, fais les paplards, les amis. Indignation totale, la haine. Le monsieur, il a déjà son appartement. La dame, elle lui parle de caution pour un futur appartement. Et elle lui dit en gros, genre, il y aura pas. En gros, elle te laisse penser qu'il n'y aura pas d'appartement si tu fais pas le papier. Mais c'est pas vous qui décidez, en fait, madame. L'appartement, il a été accordé. Avec ou sans vous. Votre caution, vous la mettez dans les fesses. Nous, avec le public qui est avec nous, on a réussi à créer une cagnotte. La caution, on va la payer tout seul. On n'a pas besoin d'une assistante seule pour payer la caution. Merci bien, madame. Ce que je vous propose de faire maintenant, madame, avec tout le respect que je vous dois et que je n'ai pas pour vous, démissionnez, vraiment. Allez travailler dans un travail où il faut avoir les nerfs. Allez faire du free fight. Allez faire du free fight ou de la boxe. Ça va vous détendre un petit peu. C'est incroyable. Ils sont incroyables, ces gens, je comprends pas. Les amis, du coup, on a raté le rendez-vous du dentiste. Mais ne vous inquiétez pas. Encore une fois, merci au dentiste qui nous a remis le rendez-vous à demain 8h. Les clés sont récupérées le 21 décembre. Que l'assistante sociale le veut ou qu'elle ne le veut pas, elle a un dossier en plus et elle doit s'en occuper.
C'est ça l'ennui, je pense, à mon avis. On est d'accord, frérot. Ouais, tout à fait. C'est incroyable, les amis. Oh, j'ai mal, wesh. Je suis en train de devenir fou. C'est incroyable, wesh. Les gens, ils essaient de. Il est à la rue. Vous voulez quoi, madame? Qu'on le remette à la rue? Faites votre travail, s'il vous plaît, les amis. Partagez un maximum cette vidéo de façon à ce que cette dame ait honte. Elle est honte. Je veux qu'elle ait honte quand elle rentre chez elle et qu'elle voit ses enfants et son mari. Je veux qu'elle ait honte d'elle de faire un travail où elle doit apporter secours aux gens et elle les néglige. C'est quoi ces gens? Je suis désolé, les amis, d'être énervé comme ça, mais ça me rend fou. On est en train de travailler pour aider des gens. À la fin, on se retrouve à travailler sur les gens qui ont des tafs et qui ne savent pas taffer. C'est incroyable, frérot. Je sais pas. Réveillez-vous et du cœur un petit peu. C'est Noël, on a dit. Ah, c'est incroyable, frérot. Là, Vénère. Elle nous demande des papiers comme si on n'avait pas déjà l'appart. Et elle lui dit en gros, elle, attention, hein. Faut pas rêver. En gros, il n'y aura pas l'appart s'il n'y a pas ce papier. Mais l'appart, il est là, que tu sois là ou pas. Je te le dis tout de suite. Les amis, à part ça, j'aimerais répondre aussi à des personnes qui envoient des messages. Là, c'est trop. Là, c'est trop, Alain. Oh, les photos, là, c'est trop. Quoi qui est trop? J'ai pas compris. T'as craqué ou quoi? C'est des photos, frérot. T'as pété un câble ou quoi? Alain, c'était comment la séance photo, la famille? Ultra génial. T'as kiffé pour de vrai, frérot? À fond, on était, tu vois bien. Mais moi, je sais, frérot. Moi, je le sais, la famille. Mais il y a des gens, ils essaient de crier, tu sais. Mais ils sont jaloux, ça les énerve. Voilà. Merci, frérot. Ouais, écoutez, j'ai l'impression... Énervez-vous. Énervez-vous. Ça me passe sous les baskets. Les amis, ceux qui sont contents, on vous aime, on est avec vous. Ceux qui n'aiment pas, vous avez le droit de pas aimer. Mais il faut partir. Faut pas regarder, tout simplement. Il y a rien de trop. Il y a rien de trop. 3 ans dehors, à dormir dehors, c'est pas trop ce qui se passe. C'est pas trop. Frérot, ça va? Ah bah tout à fait. Hein. Tout baigne. Ouais, ouais, tout baigne. On sait jamais, la famille, parce que t'as des gens, ils s'inquiètent. Vous inquiétez pas, tout va bien. Vous inquiétez pas, les amis. C'est pas une séance photo qui va perturber notre ami. Et à ceux qui se disent, oui, mais après, les retombées, quelles retombées? Alain, il va pas à la rue après. Alain, il a son appartement maintenant. Il n'y a aucune retombée. On a fait ce que personne en France n'a fait. Il n'y a pas de retombée, les amis. Les retombées, on les connaît. Alain va suivre son cours dans son tout appartement avec mon numéro de téléphone dans son portable. Et s'il a une pépite, qu'est-ce qui se passe, Alain? Eh ben, fais une drink, Marwan. Merci bien. C'est tout pour moi. Je vous aime, les amis, je vous kiffe. Force à vous, s'il vous plaît. Partagez au maximum de façon à ce que l'assistante sociale se sente humiliée un petit peu. Elle est au 4As au premier étage. Et pour la suite, les amis, vous inquiétez pas. Tout roule, tout suit son cours. Et de grosses choses vont arriver. Force à vous, les amis. Big up.